Aujourd'hui, on plonge dans une toute nouvelle aventure. On travaille sur un nouveau spectacle, un théâtre musical original, une autre femme du Québec, Rose Ouellette, la géante. On me dit, hey, tu veux-tu travailler sur le show de Rose Ouellette? Rose Ouellette? Rose Ouellette? Rose Ouellette. J'étais comme qui? La poune. La poune. La poune. La poune. La poune. La poune. Ah oui, je connais ça. Quand on pense à Rose Ouellette, la poune, on pense à cette petite dame de 90 ans, déguisée en matelot. On oublie que derrière le clown se cache un monument, un pilier de notre milieu culturel québécois. Une féministe sans le savoir avant son temps. Elle a fait exploser des plafonds de verre à tellement de niveaux. Ça a été la première femme à faire un paquet d'affaires. Rose Ouellette, la poune, c'est moi. Rose faisait pas les choses comme tout le monde. C'est une fille qui avait énormément d'aplomb, de force de caractère. La première femme à avoir dirigé deux théâtres institutionnels. Une femme monument qui a pavé le chemin. Moi, je suis le cheminot, le narrateur du spectacle. Le cheminot va faire voyager les spectateurs dans son tramway mystérieux. Il y a quelque chose d'un peu magique. Il va passer des années 10 aux années 40, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. C'était important aussi pour moi de parler de l'impact que ces guerres-là et que ce contexte-là a eu sur les Canadiens français. Dans le show, on voit l'amitié de Juliette et Rose traverser le temps. Je joue Juliette, mais en fait, je joue Juliette au pluriel parce que je joue toutes les Juliettes qui ont passé dans la vie de la poune. Juliette Pétri, Juliette Huotte, Juliette Belly. Donc toutes ces Juliettes, c'est bon. Le joueur d'orgue de Barbarie, c'est un artiste de rue. Rose Ouellette, elle va rencontrer le joueur d'orgue de Barbarie dans la rue et elle va lui dire « Je veux faire comme vous, je veux devenir artiste. » À ses yeux, à elle, tout ça est tout aussi noble que les grandes scènes. Colette Monté et Gabin Solent, c'est des méchants, mais c'est un duo comique. C'est des personnages fictifs qui représentent en fait tous ceux qui ont peur du changement. Colette Monté, c'est un personnage qui représente l'Église, la rigueur, la discipline. Il fallait pas sortir du cadre, à l'opposé de Rose Ouellette, qui représentait justement l'effervescence, prendre sa place. Dans le spectacle, je joue Fino, qui espère devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de grand, qui va commencer comme Camelot, qui va devenir Shoeshine Boy, et qui au final va tomber sur quelqu'un qui va le faire grandir et qui va le faire devenir quelqu'un, qui va le faire devenir un géant. Et toi, moi, c'est comme je te regarde, après ça, je m'en peux dire. Le personnage qui s'appelle Gigi est inspiré en fait de Gertrude, qui est l'amoureuse secrète de Rose Ouellette durant presque toute sa vie. Rose Ouellette, de son vivant, n'a jamais avoué à personne son homosexualité. Ça a été dévoilé après sa mort par sa petite fille. Une grande histoire d'amour entre deux femmes et une histoire d'amour secrète. Et on avait envie de raconter ça parce que c'est beau. Parce que c'est important, puis parce que ça a toujours existé, bien sûr, et parce qu'encore aujourd'hui, il y a des tabous à défaire. C'est un show qui, pour moi, traite de tout ce que ça prend pour faire de l'art, puis tout ce que ça prend pour être pertinent et pertinente, c'est d'avoir un rêve. Ça, c'est toute la fondation du show. Pour moi, c'est d'entendre les accords du rire sous toutes ses formes. Ça peut être le rire spontané, moqueur, jaune, vilain, mais le rire qui enveloppe tous les autres, pour moi, c'est celui qui est incarné par Rose Ouellette, et c'est le rire qui nous offre l'espoir. C'est un privilège d'avoir la chance de mettre en musique les mélodies composées par Audrey Thériault. Des mélodies fortes, catchy. La musique vient vraiment compléter l'histoire. Si, c'est un beau clin d'œil à l'artiste complète qui était Rose Ouellette. Je visualise ce spectacle-là comme un show de contraste, contraste historique. Chaque acteur va défendre un rôle principal de l'histoire, mais on va tous aussi jouer les employés de la factory, les habitants du Faubourg Amelas. J'ai vraiment envie de travailler le cœur, le mouvement. Le mouvement, la musique, le texte. C'est la fusion de tous les départements qui fait qu'on crée de la magie. J'ai envie que les gens rient et pleurent en même temps. Pleurent de rire, peut-être. Ça coule, c'est comme facile. On est tous excités ensemble avec des gens extraordinaires. La créativité est là. Mange juste les bulles. On commence tranquillement à voir l'âme du show. Tout est en train de prendre forme. Les personnages sont en train de se dessiner. C'est exactement ça que j'avais en tête. C'est au-delà de mes attentes. J'ai les émotions dans le plafond, dans le tapis. C'est extrêmement réjouissant. Ça s'annonce pour être pas mal beau! Vous voulez pas manquer ça. Ça va être un spectacle magique. Je serai là. J'espère que vous aussi.